c'est un nouveau festival que nous avons lancé cette année pour les Ornais et les Ornaises, afin de fêter en quelque sorte la libération au sein du conseil départemental, ce qui est un ancien quartier, le quartier Lyautey, qui se prête particulièrement bien à cette manifestation. On peut y accueillir suffisamment de monde, de passionnés qui viennent nous présenter leurs engins militaires, restaurés, retapés. Il était du rôle du département de faire en sorte que ce devoir de mémoire perdure dans ce département de l'Orne, particulièrement touché par la Seconde Guerre mondiale. C'est l'appel de la liberté, c'est une manifestation que nous attendions évidemment énormément cette année. Nous avons été contraints de la déplacer depuis le mois de juin sur cette fin de mois d'août, c'est-à-dire la fin de la bataille de Normandie. Alors c'est un hommage au général de Gaulle parce que 2020, c'est l'année de Gaulle. Alors, il y a beaucoup d'évocations dans ces expositions, notamment des panneaux qui sont à l'intérieur des bâtiments sur la présence du général de Gaulle. Et puis il y a l'aspect festif ici, reconstitution également, évocation historique dans les jardins de l'hôtel du département avec des dizaines et des dizaines de véhicules. Ça va de la moto au Alftrak en passant par le GMC, le Dodge et les Jeeps. Bien sûr, il y a des reconstituteurs en tenue d'époque. C'est très rigoureux, c'est très sérieux. Et le but, évidemment, c'est d'évoquer, de rappeler l'histoire, de la transmettre et aussi de rendre hommage. Je trouve que c'est parfait parce que le général Leclerc a fait un boulot considérable dans cette région et je pense que c'est grâce à ces gens-là si nous sommes libres. Les propriétaires de ces véhicules sont très attachés à transmettre, à apprendre, à éduquer aussi et à transmettre leur passion et à rendre hommage. Je viens de Périgueux avec mon véhicule, c'est-à-dire que je suis parti vendredi matin très tôt, j'ai fait 450 km avec ma Jeep et ma remorque. Nous avons monté un superbe camp, voilà, et si vous voulez, j'assume ma passion, mais c'est également un devoir de mémoire, c'est-à-dire que je pense que ce que l'on fait là, c'est pour honorer et remercier les gens qui se sont fait tuer un petit peu partout pour la libération de la France. Voilà.